Ne dites rien, j'ai deviné. C'est en quête d'un trésor. Vous avez frappé à la bonne porte. Je vous propose. Citoyens de Rome, profitez de ce glorieux spectacle. Caterina Sforza, la catin de Forlì, va enfin ramper à nos pieds. Ah ! Personne ne peut tomber plus bas que Lucrezia Borgia. Qui t'a poussé à faire ça ? Ton frère ou ton père ? Ou alors un peu les deux ? Ils ne valent pas mieux l'un que l'autre. Vas-tu te taire ? Personne ne dit du mal des Borgia. Voilà ce qui arrive à ceux qui osent nous défier. Bon peuple de Rome, gardez courage ! Votre heure viendra, vous serez bientôt libre, je vous le jure! Ils vont la torturer. Tu es venu pour Cesare et Rodrigo. Caterina est une alliée puissante. Un jour, elle nous rendra l'appareil si nous lui venons en aide. Peut-être. Mais occupe-toi d'abord de Cesare et Rodrigo. Oublie le pape, c'est moi que tu sers. Rome est le pilier sur lequel repose notre stratégie. Il est solide. Tu dois l'être toi aussi. Oui, mais le Vatican... Cette assemblée de vieillards. Continuons de faire semblant, bientôt nous n'aurons plus besoin d'eux. Il nous confie la cité. Elle est entre de bonnes mains. Huh?
confondre avec quelqu'un d'autre. Encore un mort, il faut que ça tombe sur ma patrouille. Le démon est mort. Cesare. Lucrezia. J'espère que tu as fait honneur à notre invité. C'est insolente. Il faudrait lui coudre les lèvres. Moi, je les préférerais bien ouvertes. Oh. As-tu parlé au pape des sommes que réclame mon banquier ? Il s'est absenté du château. Il faudra nous montrer très persuasif à son retour. Ça ne sera pas difficile. N'est-ce pas? Non. Mais je me sens un peu trop seule ici. Nous ne passons plus jamais de temps ensemble, tous les deux. Tu es bien trop accaparée par tes autres conquêtes. Bientôt, quand je monterai enfin sur le trône d'Italie, je ferai de toi ma reine. Et ta solitude appartiendra au passé. Je meurs d'impatience. Et pas d'incarta dans mon absence. Ouvrez la porte! Le capitaine général part pour Urbino! Buona fortuna, padron Cesare! J'ai bien peur que Machiavelli nous soit déçu. Ouvrez la cellule! Raconte ton voyage à Rome. Cesare t'a fait l'honneur de son carrosse? Tu es pitoyable, Lucrezia! De quoi a-t-il parlé? De ses projets pour Naples? Ça t'a plu? J'ai déjà tout oublié. Je vais te rafraîchir la mémoire! Ah! Ça te remettra les idées en place!
Referme et donne-moi la clé. Princesse. Vous devriez essayer de vous rapprocher un peu, Principessa. Et... Non, toi, viens plus près. Vous avez été si gentil avec moi, mes amis. Merci. Ezio, que fais-tu ici? J'adore visiter les prisons. Mon évasion provoquera la colère de Cesare. Heureusement pour nous, il s'est absenté. Existe-t-il une autre clé? Le garde a donné la sienne à Lucrezia. J'ai bien peur que non. Et où est-elle? Ses appartements sont tout en haut du château. Très bien, j'y vais. Surtout, attends-moi ici. Vraiment? Et où veux-tu que j'aille? Ugh!
Je t'aime tant que... je voudrais le crier jusqu'aux cieux. Non. Contente-toi de chuchoter, d'accord? Si Cesare l'apprend, il est capable de tout. Mais tu es veuve. Qu'est-ce donc? Je... il est tard. Je dois répéter. Adieu, mon amour. J'ai entendu toute la conversation, Mia Signora. Je pourrais en témoigner. Bien. Avertis Cesare. Nous verrons comment il réagit quand les rôles sont inversés. Oui, Signora. Il m'aime un peu. Beaucoup. Passionnément. Vas-y, continue. Je ne voulais pas t'interrompre. Ezio Auditore da Firenze. Quel plaisir de rencontrer un personnage aussi illustre. Dommage que Cesare ne soit plus là. Tout cela leur est beaucoup amusé. Je ne suis pas là pour toi, Lucrezia. Libère Caterina et je m'en irai. Impossible. Alors tu ne me laisses pas le choix. Garde! Anna, saisissez-le! Je ne peux pas te laisser seul ici. Tu vas venir avec moi. Mais attention, si tu cries, je n'hésiterai pas à t'arracher la langue. Alors, tu es venu sauver la jolie princesse? Allez, allez! Le voilà! Arrêtez-le! Tu as perdu de ta superbe auditoire. Tu dois te prendre pour un héros. Tu sèmes le chaos en tuant tous ceux que tu croises. Sais-tu ce qu'il est advenu des Pazzi une fois ta vengeance assouvie? Ton cher ami Lorenzo les a dépouillés de tous leurs biens et les a jetés en prison. Même ceux qui n'étaient pour rien dans la conjuration. Allez-y, plus vite! Ah, là-bas, je le vois! On a effacé leur nom sur leur tombe et interdit aux femmes de se marier. Ils ont disparu des livres d'histoire, oubliés, anéantis. Ferme les yeux sur les conséquences de tes actes. Tu bouleverses les équilibres, mais tu ne vas jamais jusqu'au bout des choses. Maintenant. Je le vois. Allez, allez. Oh. Cesare triomphera et fera régner la paix sur toute l'Italie. Il tue pour le bien de tous, contrairement à toi. Les ignorants sont des proies faciles. Oh, tu ne comprendras jamais, Hypocrita. Salute, Lucrezia. Tu m'as manqué. Vai a farti fottere, Troia. Fidèle à elle-même. Amène-la, je sais où est la clé. Oh, pitoyable. Garde! Garde!
entendu. Tu peux marcher? Non. Alors nous passerons par devant. Tu es mort! Attends ici. Comme si j'avais le choix. Pourquoi m'aides-tu, Ezio? Quand il est tombé, je ne te sers plus à rien. Tu as une famille. Cette famille n'est pas la tienne. Cette nuit, à la villa, je devais solliciter ton appui pour protéger Forley. Est-ce que tu comprends, Ezio? La politica. Bien sûr, je comprends. Tu n'as pas justifié. Qu'est-ce que tu fais, Ezio? Là-bas! N'y pense même pas. Filio de putana. Que je ne t'y reprenne jamais. On dirait que la porte s'ouvre de là-bas. Vous, arrêtez! Pas s'enfuir! Oh, vite, Ezio! Je vais couvrir tes arrières! Franchis le pont! Andiamo!
Bien essayé. C'est ça, il n'ira pas loin. Rends-toi sur l'île Tibérine. Tu y trouveras Machiavelli. Il doit m'y attendre. Que vas-tu faire? Quelqu'un doit rester ici pour occuper les gardes. Reviens sain et sauf, ou je ne me le pardonnerai jamais. Va! Quel extravagant! Il n'est pas ici. Quoi? Que tout le monde retourne au château, vite! Allez-y! Ezio. Où est Machiavelli?
Je ne l'ai pas trouvé. J'ai escorté la comtesse jusqu'ici. Catherine, tu voudrais bien nous dire où tu étais passée ? Je cherchais Ezio. Et Cesare et Rodrigo ? Cesare est parti avant que je ne puisse l'approcher. Rodrigo n'était même pas au château. C'est étrange. Généralement, Rodrigo y passe tout son temps. Oui, très étrange. Tout ça pour rien. Soit dit sans offense. Je m'en remettrai. Cesare est en route pour Urbino. Il faut mobiliser nos forces. Je pensais que nous allions attaquer au plus tôt. Impossible. Cesare est à la tête d'une vaste armée en Romagne. Vous n'auriez aucune chance. Nous devons agir ici, à Rome. Saper l'influence des Borgia en renforçant la nôtre. Et d'ailleurs, il n'y a pas une seconde à perdre. Volpe, va chercher Claudia et Bartolomeo. Machiavelli, retrouve-moi dehors. Prenez soin d'elle. Regarde, les Borgia prennent ce qui appartient au peuple pour asseoir leur pouvoir. Et comment comptes-tu y remédier ? Nous allons le gagner à notre cause. Ce n'est pas le moment de plaisanter. Pour gagner cette guerre, Machiavelli, il nous faut des soldats loyaux. En recrutant des ennemis de l'État, nous armons ceux qui ont été désarmés par les Borgia. Alors va, recrute nos premiers partisans.